va checker le snap. De les belles vues d'air dans le carré. Moi c'est souffler les flammes. Rien qu'au bout du V8 quand je suis cramé. Chez nous l'arrogance dépasse les actes. Même si j'ai loup boudin, je peux manger des pâtes. Sur vêtements authentiques, ça a plus de nouvelles que la pouf qui me colle. Je veux compter sur le chemin de l'école. Depuis nos vies, ma dans les affaires. T'as pas connu nos vies, on a frôlé l'enfer. De l'argent sale, je disais, maman, faut pas t'en faire. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en direct d'Angers. Et mon gars Sab, SAB, ça va ou quoi? Il est là, ma gueule. Ah, on est là toujours. Vas-y, je te laisse un petit peu te présenter déjà. Bah, moi c'est SAB. J'ai 18 ans, j'ai commencé le rap il y a 2 ans. Et je fais dans la trap, dans le chill, dans l'afro-trap, tout ce qui se fait en ce moment, tu vois. Et je sais pas vraiment quoi dire de plus. Je connais. Et vas-y, t'as commencé quand et comment le rap toi? Moi j'ai commencé, comme je disais, il y a 2 ans, parce que du coup, moi là-bas je suis musicien. Je faisais j'ai commencé de la guitare à 5 piges avec mon daron. Et depuis, bah, j'ai toujours traîné un peu dans les différents endroits de la musique. Et un jour avec mes frères et sœurs, ils m'ont donné envie, avec tous les classiques qu'ils écoutaient, les Ayam, les Thème, tout le bordel, ils m'ont grave donné envie de kicker, d'essayer. Et du coup, j'ai souvent mes instrus et je kick depuis 2 ans et on est là, hein. Tu connais. Ouais, bien vu, sinon il y a ton clip qui a le mieux marché, c'est DB. Sur ma chaîne, le clip qui a le mieux marché, c'est Don Pietro avec 33 000 vues. Ah ouais, ouais. Et celui qui a le mieux marché du coup en partenariat, c'est Mousse et Boiserie du coup, qui est actuellement à 480 000 vues à l'heure où je vous parle. Ça passe. Et comment t'expliques que c'est eux qui ont le plus pété justement? Je sais même pas. C'est après, Boiserie, c'est un influenceur d'Angers qui... Qui est un peu dans mon délire, on se comprend bien souvent quand on a bossé ensemble. Moi, la première fois que je l'ai capté, c'était pour mon premier clip dans Pietro, où j'avais besoin d'une caisse. Et comme lui, c'est un fou de voiture, il avait à ce moment-là une Audi R8 qu'on a pu mettre dans le clip. Et du coup, ça s'est fait tranquillement. Et ça parlait de Gomorra, parce que moi, j'avais grave kiffé le son de SCH, Gomorra du coup, le titre. Et du coup, j'avais envie de faire le même genre de bail. Et du coup, j'ai fait dans Pietro pour un des personnages de Gomorra. Et Gomorra, la série, tu regardes ou quoi? J'ai pas mal regardé, je l'ai pas mal saigné, mais après, j'ai trouvé que ça devenait un peu répétitif. Mais le début, moi, je trouvais l'idée du cartel, c'était spécial, quoi. C'était spécial, j'avais grave envie de faire un bail dessus. Ouais, bien vu. Puis... Sinon, ton blaze, SAB, ça vient d'où ça? Alors, c'est un truc tout con, mais quand j'ai commencé le rap, je restais quand même quelqu'un de jeune. Et du coup, je jouais à la console et du coup, je jouais à Far Cry, qui était un jeu que j'ai grave kiffé. Ah, t'es un bon, toi, t'es un bon. Ah, mon gars. Moi aussi, je les ai saignés, le 3 et le 4, frère. Ah, bah le 4 surtout, où du coup, on avait deux personnages, t'avais une meuf, du coup, elle cassait les couilles, parce que du coup, elle voulait toujours sauver en faisant des trucs bizarres. Et là, t'avais l'autre, il était teigneux, il en voulait, il était prêt à couper des têtes pour avoir. Pour que son pays se porte bien. Et ça m'a fait penser à mon bled, parce que moi, du coup, je viens d'Haïti, tu vois. Et ça m'a fait penser à ça et du coup je vais prendre sa balle. Et du coup au début j'ai pris sa balle et les gens m'ont dit bah du coup t'es musclé, enfin t'es juif, tu vois. Et du coup je me suis dit c'est vrai que ça peut poser la confusion. Du coup j'ai réfléchi, j'ai fait ça. Ok, ouais, bien vu. Sinon t'as des projets qui sont prévus? Ouais, là j'ai un album qui est prévu d'ici deux, faut que je finisse. Des gros projets, j'ai des projets sur le coin, des showcases qui vont se multiplier du coup pour annoncer l'album. Et sinon, bah oui, concert sur concert, studio sur studio pour charbonner plus, quoi. Et ouais, alors studio ici, ça se passe comment à Angers? Il y a des structures, il y a quelque chose ou quoi? Bah là, Angers, il y a pas mal de studios. Celui qui marche le mieux actuellement, je pense que c'est BeatKick, un studio sur Trélazé, avec un très très bon cadre et très très hip-hop dans le style. La majorité des artistes qui ont les moyens, du coup, bah, vont là-bas. Et moi, je m'enregistre dans mon propre studio que j'ai commencé à le faire à 11 ans et maintenant, bah, des clients qui viennent de là-bas qui viennent dans mon studio. Ah ouais, du coup t'as quand même des Yankees et tout qui viennent au studio? Ouais, pour... ouais, tout en autoprod. C'est carré, il y a plein de rappeurs d'Angers du coup. Des mecs qui viennent d'ailleurs, c'est comment? Bah j'ai enregistré Pyro, un gars du sud, j'ai enregistré avec la M-Gang, Someone, enfin beaucoup d'artistes que je pense que vous connaîtrez si vous regardez Angers, même Odor qui est actuellement. Je pense en tête du classement de la popularité, vu qu'il avait gagné les top boosters, il a eu un son qui a très bien marché. Ils se divertissent, enfin, ils se démarquent beaucoup avec leur groupe Pencil Case. Et du coup, moi, on en enregistre ensemble dans ces débuts. Ok, ça marche, mon gars, bien vu. Sinon, il y a la dernière question là, que je dis à tout le monde. Ouais.
Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Alors là, ça c'est une question en plus. Bah, attendez pas, je vais pas te mentir, frérot. C'est la question bonus là. C'est la petite question bonus. Bah, moi, je regarde pas trop le foot, mais ce qui m'a toujours fait kiffer, c'est le Dortmund. Ah, ils sont chauds, hein. Ils sont énervés. Même si des fois on parle pas trop d'eux, tu vois, mais je trouve le Dortmund, pour moi, c'est une équipe de foot. T'as raison, mon gars. Vas-y, bien vu, t'as des réseaux sociaux où on peut te suivre? Ouais, vous pouvez me suivre sur mon Snap, sur mon Instagram. Donc Snap, c'est Jeff Ice 49, Ice comme Ice MC 49, comme Angé, tu connais. Et sinon, sur Insta, c'est sab.officiel.musique. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci à toi, mon gars, ça fait plaisir. Hein. Y'a pas de soucis, frérot. Merci, on est ensemble, mon gars. On est ensemble. Hey, deux ennemis, prends ce bibi, je vois pas mes ennemis. Pour vous, je baisse pas la vie de la Ferrari. Je fais sucer les pneus et je remets un SMI. J'ai plus lourd qu'un semi. Dans le club, je suis rentré en wheeling.